Eh bien, en fait, avec les différentes classes de l'école Montgolfier et l'école Sainte-Anne, en fait, on cherche des indices pour arriver à un point final, tout simplement. Et vous savez en quoi il consiste, ce point final ? Aucune idée. C'est la première fois que je participe à une chasse au trésor sur Cassan. L'année dernière, j'en avais déjà une. J'en avais déjà une l'année dernière. Et à la fin, on gagne des cadeaux, les équipes gagnantes, parce qu'on doit répondre à des questions, et après, l'équipe gagnante gagne des choses, mais de chaque classe. D'accord, et c'est quoi les indices ? De quel genre sont les indices ? Alors, les indices ? Ce sont des énigmes à trouver, déjà au départ, avec des petites situations. Par exemple, tout à l'heure, c'était la surface du terrain de volleyball qui était sur le City Park. Et après, derrière, il y avait une charade dont il fallait découvrir l'ensemble des éléments pour trouver finalement une réponse pour aller à l'indice suivant. Voilà. D'accord, c'est pas trop sportif ? On voit que tout le monde court un petit peu dans tous les sens. Moi ça va, après les gens, je sais pas, pour l'instant ça va. Un petit peu, si, des fois. Et ça vous plaît, vous, les enfants ? Oui, c'est marrant, enfin oui. Et pourquoi, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ? Enfin, c'est marrant, on s'amuse, et puis comme ça on s'ennuie pas à la maison, enfin... C'est grand ? Bah, ça permet de découvrir aussi un peu le village de Cassan davantage, et puis de participer avec les enfants... de l'école, en fait, tout simplement. Et ça vous plaît, comme ça, de chercher des indices pour... Ça nous plaît. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Chercher. Chercher ? Et tu sais ce qu'il faut trouver tout à la fin ? Non. Non ? Si, rue de la Close. Si, c'est rue de la Close, là. Non, c'est pas ça, c'est du jour, c'est une bonne chose. Et surtout, vous criez pas le nombre, hein! C'est quoi? C'est quoi? Ah! Il y a quelque chose qui va pas. Quoi? Alors, regardez. Bah ouais, mais il manque quelque chose, regarde. T'as combien de tickets de tirer? Il n'y a pas. Il n'y a pas de nom de. Est-ce qu'on a vu toutes les lettres? Bah oui, c'est marqué fruit. Mais c'est marqué fruit, mais là-bas, c'est place de l'apostrophe. Ça vous fait travailler votre orientation, tout ça ? Ben, on sait pas trop où on est rendu, ce qu'on nous demande, et on sait pas s'il nous manque des lettres, on sait pas. On est un peu perdu là. Et vous êtes de Cassan ? J'habite dans cette rue là, oui. Donc vous êtes pas trop perdu ? Ben, ici non, c'est les indices qui nous rendent perplexes. C'est un petit peu dur les indices à trouver, justement ? Bah, jusque là ça va, mais si là. Parce qu'on a un lieu à trouver pour s'y rendre. On a vu des lettres sur les... Mais ça ressemble pas à une des rues... Bah oui. Une des rues qui nous sont... Qui nous, les rues qui nous sont données sur le plan. Alors du coup, qu'est-ce que c'est ce petit stand ? Qu'est-ce que c'est cette énigme, si j'ai bien compris ? Alors en fait, c'est le stand On connaît la chanson. Donc le but du jeu, il y a 6 chansons connues, des comptines en fait d'enfants. Et dans chaque chanson, il y a 2 mots cachés. Et donc les enfants doivent retrouver les 2 mots manquants. Et ils doivent se concerter pour avoir les bons mots. Et donc quand ils ont 2 bons mots, on leur donne une feuille de chêne. Donc ils peuvent en avoir 6 maximum, donc ça leur amène des points. Et à la fin de l'épreuve, on leur donne une enveloppe avec une pièce de puzzle qu'ils doivent reconstituer à la fin de l'épreuve, avec tous les stands en fait. Allez, c'est bon. Là. C'est quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est du poivron. On cherche le trésor et on cherche les indices. Vous avez trouvé quelque chose ? Ouais, on a trouvé plein de trucs dans l'école Sainte-Anne. C'était la liste de courses. Ah oui, on a dessiné le château de la comtesse. Aussi, il y a les autres qui nous collent aux fesses, par contre, c'est pour ça qu'on se dépêche à courir. On est parti donc à 10h tout à l'heure et on doit arriver à midi au point de chute. Si on arrive après-midi, on a à nouveau également des points en moins. Non, tu prends Dieu, c'est zéro, je suis sûr. Arrête à parole. Si vous regardez pas la presse, vous n'allez pas y arriver. Voilà, alors. Moi, j'ai la boîte aux lettres. Donc, c'est Naïs en deuxième. On est d'accord sur moi ? Oui, avant le D, ça va. Alors, retourne la première image. Allez, le D, c'est ouest. Le D, il est là. 100 mètres. Ah non. J'en ai pas long. C'est pas fini encore, c'est là le but.
Passe la ligne. Ouais. C'est quelle couleur de piñata, Nicolas? On a bien fait de... Vous aurez le privilège de casser la... Pour le faire aussi, Pépé. Casser la piñata orange. La piñata orange, pour qu'on l'a cassée. Et pour les CM, l'équipe gagnante, c'est les boss. Vous êtes heureux, là, toute l'équipe, d'avoir gagné? Ah bah ouais, j'en ai aucun autour de moi. Vous n'avez aucun? Ah d'accord, c'est la concurrence. Elles sont parties taper leur piñata, là, donc ils sont partis courir pour voir leur lot. Abandonné par votre équipe. Voilà, c'est ça. Hi-pi-pi, hourra! Hi-pi-pi, hourra! Hi-pi-pi, hourra! Hi-pi-pi, hourra! On les arrête plus. Si je comprends bien, vous êtes premier, vous avez gagné. Ouais. On a tout gagné parce qu'on a 109 points. 109 points, c'est beaucoup. Les deuxièmes, ils ont combien? 75. Waouh, vous avez vraiment tout gagné là alors. Ouais. Vous êtes content? Oh ouais, je suis trop content. Et vous avez gagné quoi du coup? On a fait éclater une piñata là-bas. C'est très sportif, on a demandé beaucoup aux enfants, ils ont couru. Attention, hein. Vive le bonhomme. Allez ma fille, explose-la. Explose-toi.